souvent on sort sur cette taille et d'autres juges m'appliquent. Vous passez sur ma j'ai déjà j'arrive à stop au long, je sors les statistiques. On écrit sur Facebook qu'il faut stopper l'intimidation, mais y'a encore 37% qui avouent leurs mauvaises actions. Souvent c'est pour rire, mais qu'on peine pas qu'ils font souffrir des paroles qui forcent à agir. Non, suicide c'est pas la seule façon de s'en sortir. Le jeune est à bout de nerfs, mais il sait pas quoi faire. Il se dit que ça va passer, fait qu'il continue de se taire pour dénoncer l'intimidateur. Qu'il soit un ami, son père, sa soeur, sérieux, ce qu'il vit, c'est un film d'horreur qui repasse à chaque 24 heures. Un étudiant tabassé, taxé ou poussé, n'est causé. C'est normal qu'un jour il veut lâcher, il veut pas que son âme soit gâché. Mais faire tout pour arrêter la violence qui vit en permanence, qui continue de prendre la puissance. Et puis Dieu lui donner une chance. L'intimidation c'est pas de la fiction, on en a eu la preuve avec les récentes situations. Majorie s'enlève la vie, malgré ce monde n'a pas compris. C'est F-Coin, tu l'aimes ici qui vient mettre les preuves à la pluie. L'intimidation c'est pas de la fiction, on en a eu la preuve avec les récentes situations. Majorie s'enlève la vie, malgré ce monde n'a pas compris. C'est F-Coin, tu l'aimes ici qui vient mettre les preuves à la pluie. Alors qui est rejeté, seulement à cause de la marque de ses souliers. Ou bien que son chandail est troué, pas pour autant une attardée. C'est pourquoi tu serais pas capable de l'accepter. C'est un humain comme moi, pis tout est fait qu'il y a même trois libertés. Pis vous les témoins, si vous êtes injuste, mais faites rien, je sais bien que ça résout pas le même. Mais faites un effort au moins. Dénoncez ce que vous voyez, arrêtez de passer si stoulé. Vous avez vraiment aucune idée par ce quoi je ne puis penser. Dites-moi, ben oui, je sais bien que je suis pas parfait. Je trouvais ça drôle quand on se battait. Moi aussi, j'ai traité du monde d'épais. Je prenais pas science de ce que je faisais, à quel point mes paroles blessaient. Mais aujourd'hui, j'ai des regrets. Je vous jure que la prochaine fois, j'y repenserai. Non. L'intimidation c'est pas de la fiction, on en a eu la preuve avec les récentes situations. Majorie s'enlève la vie, malgré ce monde n'a pas compris. C'est F-Coin, tu l'aimes ici qui vient mettre les preuves à l'appui. L'intimidation c'est pas de la fiction, on en a eu la preuve avec les récentes situations. Majorie s'enlève la vie, malgré ce monde n'a pas compris. C'est F-Coin, tu l'aimes ici qui vient mettre les preuves à l'appui.